Il est absolument indispensable de croire en soi. Bonjour les amis, je suis Yannick TM, je vous dis bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau ici et je vais vous inviter simplement à vous abonner si vous venez d'arriver, si c'est la première fois et pensez à activer la cloche de notification pour être sûr que chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne, vous allez être informé. D'accord? J'aimerais aujourd'hui simplement vous appeler à croire en vous. Croyez en vous et puis croyez en la vie. Pourquoi? Parce que nous sommes très nombreux à nous laisser influencer par ce que les autres croient en ce qui nous concerne. J'ai une aspiration, j'ai un rêve, j'ai un désir et je veux l'accomplir. Je sens que c'est quelque chose qui pourrait me nourrir et qui pourrait être utile au monde. Mais puisqu'autour de moi, on me dit que ce ne sera jamais pour moi, je n'y crois plus. Allumez votre flamme, rallumez votre flamme. Parce que à force de chercher les réponses dans le regard des autres et l'approbation dans le regard des autres, vous oubliez que vous êtes un dragon et que vous pouvez cracher le feu. Du coup, vous allez quémander le briquet aux personnes qui ne peuvent pas déclencher le feu que seul vous pouvez déclencher. Ne soyez pas un dragon qui demande un briquet pour allumer un feu, alors que ce feu-là, vous l'avez simplement en vous. Laissez parler votre véritable nature. Laissez parler la personne exceptionnelle que vous avez au fond de vous. Laissez sortir cette personne extraordinaire. Parce que extraordinaire, vous l'êtes. Croyez en ce qui vous tient le plus à cœur. Croyez-y fermement. Combien de personnes ont voulu faire des choses et les gens ont dit que ça n'allait pas fonctionner et aujourd'hui, ces personnes ont révolutionné le monde. Vous connaissez Facebook? Lorsque Mark Zuckerberg a voulu lancer Facebook, il n'a pas reçu que de l'encouragement des personnes qui étaient censées être ses encadreurs, des personnes qui étaient censées lui le former. Lorsque une personne atteint les objectifs qui s'est fixé dans la vie, il ne rencontre pas que de l'approbation. Parfois, ce sont des gens qui sont censés vous guider, qui vous disent que vous n'allez pas y arriver. Mais vous n'y arriverez jamais si vous décidez que vous n'allez pas y arriver. Il n'y a que vous, au final, pour décider si vous abandonnez ou si vous continuez. Il n'y a que vous, au final, pour décider de ce que vous allez atteindre ou de ce que vous n'allez pas atteindre. Les obstacles, il y en aura. Ne vous laissez pas bloquer par les obstacles. Ne vous dites pas, mais oui, j'aimerais faire ça, mais j'ai du mal avec l'administratif. J'aimerais faire ça, mais comment est-ce que je vais réussir pour réussir à accueillir les gens? Tout s'apprend. Et ce que vous ne voulez pas faire par vous-même, il y a des gens dont c'est le rêve. Il y a des gens qui ne rêvent que de pouvoir accueillir du monde. Il y a des gens qui ne rêvent que de pouvoir gérer de l'administratif. Comme votre rêve, c'est d'exceller dans l'art de qui vous êtes. Parce qu'être soi-même, c'est le véritable art de la vie qui soit. Quel que soit votre domaine dans lequel vous exercez aujourd'hui, quel que soit le domaine de votre vie, vous n'atteignez le paroxysme de ce que vous êtes, de ce que vous êtes capable de faire, que lorsque ce que vous êtes transparaît dans ce que vous faites. Vous ne pouvez être la meilleure expression dans votre profession que lorsque votre façon de l'exécuter est un prolongement de votre être véritable. Lorsque qui vous êtes sort de vous et s'imprègne dans la façon dont vous faites les choses, là, vous ne pouvez pas manquer d'être efficace, d'être inspirant pour les autres et d'être une véritable être. D'être un véritable être, voilà. Ne demande pas un briquet à côté. Tu as le feu en toi. Tu es un dragon. Tu peux cracher toi-même ce feu. Tu peux en fabriquer toi-même. Crois vraiment en toi et ne laisse jamais une personne tuer l'aspiration qui est la tienne, l'aspiration qui te prend aux tripes, parce que tu es seul à pouvoir exécuter de façon parfaite, de façon excellente, je veux dire, ce pour quoi tu as été fait. Croyez en vous.